En fait, je trouve que toute la procédure est fascinante, surtout la plaidoirie. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir s'exprimer et de pouvoir justement essayer de convaincre d'autres personnes que vous avez raison, en plus des textes. Et je trouve que tout le combat, en fait, est très intéressant à voir. Et bah, du coup, ça me pousse encore plus dans mon envie de devenir avocate plus tard. Bien, le but a été d'encadrer les étudiants, d'abord pour la préparation de leur mémoire en défense, ensuite pour la préparation de la plaidoirie. En 30 secondes, le cas, c'est est-ce qu'on peut demander à une collectivité de prendre une mesure générale de police pour résoudre un problème individuel, qui est un problème de pathologie liée à la pollution de l'air. Et aujourd'hui, les juges ont dit non. D'un point de vue général, on va dire, de se projeter professionnellement dans les fonctions d'avocat, de magistrat, de réaliser un exercice pratique pour qu'ils se rendent compte que le droit est vivant et qu'il est appliqué dans ce cadre-là le plus souvent. Et pour la première fois, ils visitent une salle d'audience et donc ils font, disons, une partie de leur profession. Et c'est aussi une occasion pour découvrir s'ils ont des vocations aussi à être avocat, maître ou juge. Et donc ça, c'est intéressant comme on a vu dans cette occasion.